Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y est? M'espérez nous en forme. M'espérez napkin bé. M'espérez nous jam. Et plus amis qui t'a demandé côté Yannick, yo parwe Yannick, yo parwe émission mon éditorial. Plus amis qui a cherché qu'on est qui ça me gagne. Eh bien, je dis en fait exactement un mois depuis émission a été campée. Émission a été campée parce que m'ta connait un moment qui est extrêmement difficile. Yon moment qui était vraiment te ka coûté m la vie. Mais grâce à Dieu, nous ka dit Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secouru. Yon mois de cela, et nous avons une situation qui est vraiment difficile. Et m'ba nous garanti, si bon Dieu pat la, journée jeudi 6 août ça, Yannick te ka pa la pour présenter l'émission. Yannick te ka pa la pour porter information pour vous, pour continuer faire débat politique, pour nous continuer parler pays. Mais grâce à Dieu, Dieu fait grâce nous là. Et il y a pile information qui t'a circulé. Bon, il y a monde qui t'est même allé loin pour reler ce numéro émission, pour reler Wilson, parce que il y a une nouvelle qui t'a bail comme quoi Yannick t'a mouri, Yannick pas là encore. Mais grâce à Dieu, nous là bien vivant. Et moi ka di nou moi son miracle après une intervention chirurgicale m'ai fait en urgence moi là pour porter émission c'est pas bon nous trop bon c'est pas bon nous confine bon mais pour côté nous sorti pour côté nous y est là kounye a malgré que gen pile zanmi qui conseille qui dit Yannick ou pas capable ou pas besoin reprendre émission kounye a n'attend m'estime que tellement attaché avec travail l'homme tellement attaché avec famille que malgré tout bagaille et depuis quoi bon c'est parce que bon m'estime que bon qui fait que m'ka là avec vous pour porter émission pour gien en pile émotion parce que et l'homme m'a regardé réellement côté m'était en vérité, et c'est en grâce. Pas qu'on est qui foi ou, pas qu'on est et qui croyance religieuse ou, mais on ka di ou, honnêtement, nous sommes miracle. Pour côté me sorti, pour côté me teye, pour côté me sorti, pour côté me jodi en là, nous sorti loin ça, moi katouli. Nous pas fait trop et trop vague, mais nous pral rentrer sans perdre du temps dans l'information yo. Et pour nous continuer par le pays, pour nous continuer et faire des bails. Mais avant de rentrer dans l'information, il faut que je dise ça honnêtement. Moment difficile, ça, page gloss que nous avons traversé, je ne peux pas sortir là-dedans avant tout si bon Dieu pas là. Mais sans support moral ou sans contribution, sans aide pour me traverser ces situations difficiles. Je me dis, ce n'est pas un bon film, puisque gain suivi qui continue à faire avec médecin gain rendez-vous pour me toujours continuer à aller même estimer côté m'té à côté mié jodi an là moi ka fait ti effort ça peut-être moi même ka fait ti effort ça pour ou me ka fait ti effort pour me contribuer dans aider pays moi et bon petit détail tout petit tout zuit côté m'té et on t'a suivre médecin en Haïti. On t'a suivre médecin en Haïti, faut que moi dis nous honnêtement, nèg yo créé toute façon toute condition pour yo faire haïtien, raï pays yo pour yo faire haïtien, parler mes pays yo et pour yo faire étranger continuer parler mal de pays yo. M'a suivre médecin et on dirait bien que médecin m'a suivre. Premièrement, yo te référer médecin comme plus gros médecin dans ville côté que mié. Mais ça pas suffit seulement médecin on dirait que li fait toute bagaille li te doit faire yo sauf ça que kam nan te mérité. Attendez bien oui li fait tout ça li mette nan tête li te doit faire sauf que sauf bagaille que kam nan te mérité. Donc c'est ça le parfait que kam nan te mérité c'est lui même qui t'a pral coûter m la vie c'est lui même peut-être et moi doute ça jodi 6 août là n'était capable même gien chance n'était capable même gien occasion ça pour me dire là avec parce que le rapide vite m'rentrer en République dominicaine pour mal au médecin rivé automatiquement m'rivé le jour même que m'rivé c'est en urgence que rentrer dans salle opération avec m et docteur a il t'ai fait me connaître que soit m'opérer ou bien mourir
parce que la situation est tellement empirée, car est tellement empirée, pas de l'autre solution. Et après intervention, il t'a dit que et est-ce que c'est un charlatan t'a suivi, c'est une bagaille qui était vraiment un DM, parce que ou c'est haïtien ou nan pays ou connaît que gen des professionnels dans pays et me connaît Haïti gon paquet de bons médecins. On connaît Haïti gon paquet de bons médecins, mais en tout cas, Dieu fait grâce et n'a toujours continué travail là pour nous dénoncer ça qui méritait dénoncer, pour nous faire autorité ou assumer responsabilité yo pour non prochaine situation ou bien pour l'autre patient x y z pas victime de ça me victime n'a pas subi ça me subir. Mais nous connaît honnêtement ces situations difficiles ça pour connait sous gen bon ami sous gen bon famille. Et sincèrement moi-même son monde qui béni parce que si m'pa de béni pas d'avoir problème là non pas d'avoir problème là parce que le m'a gardé quantité moun gen qui même quantité moun gen qui camper avec moi quantité moun qui a bam love là m'pa cœur de moun qui pa remet travail là m'pa cœur de moun qui pa remet parce que nous même nous tellement même et m'a toujours dit ça gen zanmi on là qui te dit moi ça et y a ni ko kono bagay et son chance gen parce que m'pa là avec ou gen numéro. Je finis par réaliser que ce n'est pas vous-même qui avez une chance parce que vous avez un numéro, mais c'est moi-même qui avez une chance parce que moi avez un contact, moi avez une famille, moi avez un comme ami, moi avez un comme supporter, moi avez un comme ange gardien. Ou pas seulement fanatique, ou pas seulement un monde qui a parlé pays avec Yannick, mais son famille pour Yannick. Ou son famille pour Yannick parce que dans un moment difficile, je suis là. Ou prouver à 100% ou intéressé avec moi ou intéressé ou pas seulement intéressé avec information m'a ba sou pays ou intéressé avec moi l'ont attendre ou checker sou moi chercher tout numéro qu'on te ka joindre moi pour checker pour connait ça m'gagner comment m'yé comment m'aller etc. Donc je ne jodi an là m'pa ka chita pour me dire m'pa cité grain par grain non chaque zanmi parce que t'as tellement de jalousie t'as tellement de parler en pile nous en pile qui supportent qui relèm qui bon support moral qui bon support économique nous vraiment en pile merci pas suffit merci pas jamais suffit pour me dire parce que travail ou faire avec dans route ou passer avec dans façon kembe même mon cher c'est du jamais vu chapeau bas et moun ki konnen Yannick ki konnen ça me dit la sorti en dedans fòk nous konnen que Yannick son moun ki reconnaissant petit coulier Yannick son moun ki très reconnaissant lié donc merci avec ou même qui toujours là avec moi qui supporte moi dans moment difficile là et si gros bagaille qui vraiment t'ému qui vraiment t'ému gagne madame Ketli qui voyait Rose qui voyait Joanne alors que pas même comme Joanne li déplacer Joanne les États-Unis li déplacer Joanne à chercher dans l'hôpital Yannick pour venir voir Yannick pour le parler avec Yannick. Ma cache dit non, me crier tant que petit bébé de l'eau derrière la rime parce que mon bas douleur a m'ému parce que c'est plus qu'on famille, son grâce. Mon cher, si me t'apprend pour me parler, je dis là, me pas faire mission, mais faut nous parler et m'a profiter. Remercier spécialement Zesov Moringa, David Louis et partenaire moi allié frère mes amis qui mettait business à la disposition et mon cher m'a dou merci en pile m'a dou un grand merci toute équipe Tax 509 là toute famille Tax 509 là chapeau bas pour nous merci pour support inconditionnel nous bam dans moment difficile là merci avec ou même Chab Foucault ou pas jamais laguer mon mail merci pour support merci parce que ou camper avec moi merci avec Esdratisé mais merci avec Fabiola Somme chérie merci avec DG en scope nous là avec moi dans moment difficile là et ça pas gain prix et ou même supporteur ou même et qui toujours là avec qui toujours regarder émission qui toujours checker sur moi merci en pile et nous pas faire crier non pas crier non et sans perdre du temps nous allons rentrer dans l'information mais faut moi dis non c'est toujours même Yannick là
même voie, rien pas changé. Rien pas changé, rien pas jamais changé. Parce que nous là, pour nous porter travail des formations pour vous, nous pral parler pays, nous pral faire débat sans perdre du temps. Dans le jour qui s'est passé, là, dans l'administration pendant moi, il y a un pile, un pile, un pile de bagay qui passe. Gagné pays Kenya qui décide de prendre et tête et force multinationale là. Gagné plusieurs autres pays qui manifestaient et entre guillemets bonne volonté pour envoyer soldats et pour faire partie de force multinationale là. Gagné Nations Unies qui a plat le col dans dossier Haïti. Gagné journaliste vedette et Radio Kiskeya Journal 4 à Liliane Pierre-Paul et qui mourit. Gagné ancien président Boniface Alexandre qui traverse et qui mourit tout et gagné et en pile débat politique qu'a fait dans moment là sous plusieurs dossiers sous plusieurs scandales dans ça qui gagne pour avec et faut nous parler de ça quand même dans ça qui gagne pour avec et ancien magistrat Kayen et Moun Ariel Henry et Rosemi la petit frère qui lui-même refusait catégoriquement pour le présenter devant juge d'instruction Jean-Wilner Moret dans ça qui gagne pour avec dossier et CAS qui est assistance sociale l'argent qui gagote en pile fait qui passait dans un mois absence moins et sous réseau mais n'a pas commencé émission n'a pas commencé information dans ça qui gagne pour avec force multinationale, la force d'intervention militaire, là, parce que ça, les primordial, les prioritaire dans le moment là. Si militaire kenyan yo, gemale, mette pied au Haïti, Nations Unies mette fait un budget, à pas pour yo, pour acheter ses cailles, pour retourner yo dans le pays yo. Ces déclarations, ex-colonel Himmler Rebu, dans ça qui vient pour avec dossier Kenya. Si Kenya est venu, il va marcher à Sekayo. En pile Sekay pour y retourner à Kayo. Oui. Aïe, aïe, aïe. Mais ça n'a pas dit matin. Oui. Parce que là, c'est là qu'il a venu. En pile Sekay. Il a mouru par bandit, par paquet. Ouais. Colonel Himmler Rebu, c'est toujours un plaisir pour parler avec nous dans l'émission matin débat. Très bien. Ok. Colonel Himmler Rebu. Bahamas pour mettre 150 policiers pour Haïti pour venir combattre gang yo. Kenya lui-même l'on non démarche, lui proposer tête li pour prendre leadership donc yon éventuelle force multinationale pour Haïti et il t'a déjà conclu que yon capable venir avec 1000 policiers. Qui ça Kenya capoté donc non démarche pareil. Bonjour, nous sommes pays côté situation à vivre là tellement fait moun souffri. N'importe qui vent soufflé qui dit que t'as qu'à venir dans une solution, grand pile monde qui prend pile espoir. Mais malheureusement, en Haïti, nous pas li en pile. Nous pas fait recherche. Et assez souvent, nous courons monter sous bayou par rapport à désir, nos sensations, nous, ça nous t'a remet, ou bien ça nous raillit tout. Donc, nous pas gagné un recul pour nous analyser la situation. Dans quelle situation Kenya est aujourd'hui? Ou t'as dit tout à l'heure, c'est pour une blague liée. Premièrement, son choix raciste des États-Unis. Il n'y a pas de doute. Oui, bien sûr. Deuxièmement, il y a pour qui ça aussi. Non, on dit son choix raciste, c'est ça? Oui, son choix raciste lié. Son choix raciste des États-Unis. Son choix raciste lié, ça est très clair. Très bien. Et maintenant, pour qui ça y fait? Pas oublier que les États-Unis connaissent très bien nature vrai bandit qui en Haïti. C'est bien. C'est peut-être ça que fait pas fini. Et c'est ça que fait dès le départ de nous, yon pas fini yon. Parce que vrai bandit, yon c'est pas les roues qui sortent dans la rue après tirer moun, après le kidnapper moun, etc. Non. Ça aussi de petits travailleurs. Vrai moun qui concevoir infrastructure banditisme nous gain là. Et américains yon connaît yon. Et Américains ou Canadiens ont venu tout. Ils n'ont pas venu. Maintenant, il y a le Kenya. Pour qui ça? Quand Kenya a traversé, président Ruto a traversé une crise qui est similaire à la crise où le président Jovenel Moïse a passé dans le dernier moment avant de mourir. Tête chargée.
Nous avons une grosse négociation difficile. Donc, le président Ahouto fait une bonne affaire sur le plan politique. S'il accepte le job, ça, licencié par rapport à l'opposition kenyenne, il y a une sorte d'appui américain. Exactement. Voilà, je souhaite faire entendre le colonel Himmler Rebu qui a participé dans l'émission Matin Débat. Déjà, pour commencer, il faut que je dise non. Mission ou intervention et militaire, ce n'est pas bagay. Aucun patriote, aucun citoyen conséquent, tap jamais mais ouais pour pays. Que étranger vin fou le sol pays ou vin et vin débarquer dans pays ou etc. A faire et faire prendre décision pour. Pas aucun haïtien conséquent, pas aucun haïtien qui remet pays, pas aucun vrai patriote, pas faux patriote démagogue moi nous gen là non. Pas aucun haïtien conséquent valable qui tap jamais remet ça. Cependant, gè kèk situation qui pose. Des fois, ou gon pays, moun ki ap dirije pays a, moun ki ap pren décision pou paysan, se yo même ki contribuye largement, se yo même ki krasé paysan, se yo même ki participe nan gangsterize jen ti garçon, jen ti fòm ki kreye gang dedan paysan, ki vin rann pays ou la invivab, ki fè de Haïti yon pays ki invivab. Journée jodi an la, ou haïtien plus senti li à l'aise, plus senti li confortable pour li kouri vann tout sa gen pour li kite peyi a. C'est réalité, c'est triste réalité que nan viv journée jodi an Haïti parce que nous nou situation d'exception, nous nou situation kote ke peyi an li détruit de l'intérieur. Ça me veut nous clair sur lui. C'est pas en question États-Unis, Canada, occidentaux qui détruit pays, qui crase pays. Nous avons pays qui détruit de l'intérieur. Nous avons pays côté que utiliser propre petit pays, utiliser haïtien dirigeant nous autorité nous comme des conze qui fait yo craser pays. Je ne veux dire nous abouti côté nous est là. Nous abouti avec un pays qui gagne plusieurs chefs de gang. Tout côté passé, gon chef gang cap dirigé, cap ba autorisation pour passer, qui choisit tout yé lè yo vle, jan yo vle, jan yo pito. Cependant, nan dossier Kenya, gen de gros bagay ou dwe konnen sou pays Kenya. Parce que nan dernier jour sa yo la, c'est vrai, me coucher, c'est vrai, quoi, pas bon, mais quand même, me rester focus sur l'actualité. Majorité politicien, majorité moun qui a intervenu sous dossier Kenya, première considération, faire d'où, et Kenya, nan moment là, gen quoi crise politique dans pays Kenya a vivre presque sa Jovenel Moïse, c'est président Jovenel Moïse qui a vivre là, c'est pays en gen pile manifestation violent pays a des problèmes la vie chère etc. Mais m'vlo konnen que malgré tout ça tande de pays Kenya mais pays Kenya rete de point de vue militaire ou bien de point de vue sécuritaire comme youn ou bien premier pays dans zone Afrique de l'Est qui a géré question terroriste, qui a géré question bandit, qui a contrôlé territoire. Pays Kenya, nan moment n'a parlé à la, yo c'est un coup où nous nous situation côté que en 2004 Nations Unies yo décidé yo voté à l'unanimité pour te gagner le Aristide fin pour coup d'état Aristide final etc. Yo voyé ministre en Haïti. Yo voté pour yo voye ministre en Haïti, pour yo voye soldat casque bleu, soldat Nations Unies en Haïti. Eh bien, nan moment là, gyon paquet l'autre pays, gyon paquet pays en Afrique, même en dehors de l'Afrique, tant que par exemple Afghanistan, gyon pays Kenya qui substitue à des soldats des Nations Unies pour qui ça parce que pays Kenya intervenu dans divers pays ça soit pour la combattre terroriste soit pour la combattre rebelle c'est le cas par exemple pays voisin Somalie en Somalie gagné yon groupe terroriste qui relè El Shabab Kenya gen assez militaire Kenya gen assez policier Kenya gen assez force gen assez équipement gen assez matériel pour le voyer
en Somalie pour aller combattre terroristes. Li fait en République démocratique Congo qui gagne un groupe terroriste ou bien un milice sur le M23, li voye militaire, li voye policier al combattre terroristes. Gagne soldat Kenya en Afghanistan. Donc d'un point de vue effectif, d'un point de vue militaire, d'un point de vue quantité moun l'armée Kenya gagne, quantité policier et Kenya gagne, yo gagne en quantité pour yo kavoye aller de leur pays. Na fon comparaison, ce qui n'est pas le cas en Haïti. En Haïti, quantité policier nous gagne là, dernière estimation qui fait sous effectif la police nationale t'a supposé gagner, yo dou pour pipiti la police nationale t'a supposé gagner 40 000 policiers au moins qui t'a répondre avec besoin population. Qui t'a ka répondre? C'est pas le cas. À moins nous ka gagner 20 000 policiers comme ça. Donc en pile fois nous tendez Abdou et dans moment là fòk pays ta Haïti yo et pour yo détourner yo vers l'Occident qui coupe fâché avec États-Unis, coupe fâché avec Canada, coupe fâché avec pays corrup yo etc. parce que y a abusé nous. Moun sa yo considéré pays sa yo comme toxique pour Haïti parce que y a tout fait nous, y a pillé nous, y a volé sous sol nous etc. et puis y a créé conditions pour nous toujours une insécurité, pour nous toujours une instabilité politique, pour y a toujours présent sous scène là. Si même politiciens ça a fait des considérations, yo dit faut gagner des coopérations sud-sud qui fait, faut nous retourner vers l'Afrique, faire des coopérations avec des pays africains. Et journée aujourd'hui là, une fois que pays Kenya dit la prend tête force d'intervention, force multinationale là, même yo même encore au gétan relé, oh moi, tu pas vle Kenya, nous pas vle Kenya etc. Kenya a des problèmes la kayli, yo pas ka résoudre problème la kayo, comment yo ka fait venir résoudre problème Haïti et gagner l'autre qui dou comme ça et policier Kenya yo c'est criminel yo, ye, bonjour sauteur des colonel Rebu et colonel là même bien aller au-delà. Rebu aller au-delà, il faut qu'on ait faut et faut que yo tout mette ton budget pour acheter cercueil pour nèg parce que Kenya va mourir. Approche colonel Rebuyon gen de considération possible. Li gen de considération bon pas qu'on est comme colonel la concevoir et mes policiers ou bien militaires Kenya yo pral mourir etc. Mais gon bagay la première considération c'est renforcer de point de vue psychologique gang nou yo. Le nou la ge bagay yo vay ke vay et tout acheter cercueil etc. et pour Kenya yo parce que yo pral mouri pa pile pa paquet, c'est dit quelque part gang nou yo tellement puissant, gang nou yo tellement bien équipé, n'importe force qui vini yo a désingué en bas coup de balle, vous comprenez, y a mettre yo à tête plate. Alors que moins dou Kenya bataille contre des groupes terroristes. Groupe terroriste, non seulement ils utilisent gros armes de froid, mais c'est des gens qui utilisent bom yo ye. Est-ce qu'en Haïti, nous avons un niveau côté que les attaques attaque voiture piégée, les attaques côté que vous mettez bom dans la machine, etc. Non, pas ça. Donc, quelque part, Kenya, les policiers Kenya, bien militaires Kenya, que vous envisagez pour voir en Haïti, est-ce que c'est moun qui pas formé, est-ce que c'est moun qui prend bon la ria à voir en Haïti, ou bien c'est moun qui a une aptitude, une capacité pour répondre avec des attaques ciblées, des attaques terroristes, ou bien des attaques des groupes armés qui fait sous yo. C'est là pour poser vraie question. Nèg en Haïti, nous avons une série de nègres en Haïti qui montrent que c'est tête pensante, qui montrent que c'est pensé, qui montrent que c'est bagaille dans la tête, qui ont posé problème pays. Mais au fond, c'est leur situation en faveur, c'est leur situation rangée, causée, ils ont une bonne appréhension, ils ont un bon point de vue sur le dossier. Et puis l'autre bagaille encore, est-ce que c'est seul Kenya qui a venu? Kenya décide de prendre tête en force multinationale, il prend leadership là, mais en dépit du fait que Kenya a décidé pour prendre leadership là, il y a un paquet d'autres pays qui a décidé pour bailler support. Pour qui ça? C'est une force qui a venu en appui à la police nationale d'Haïti. C'est tellement haïtien qui prend l'ordre.
C'est tellement haïtien mais qui te yo commande yo. Nous c'est tête dans sac, dirigeant nous yo toujours baisser tête devant blanc etc. Le moun dou la vini pour l'appui yo, la vini do. Li pa vini pas sur l'autre la kayo. C'est ou même qui pral décider mais comment on fait mais qui sauve mais comment on vle et mais comment la fête mais comment le fait. Son bagay constat ta doye. En 2004 nous prend ministre. Ministre vini yo décide gens yo vle, yo fait ça yo vle dans pays yo. Yo viole femme, yo viole ti fille, yo viole ti garçon. Yo mange cabrit moun etc. Yo allé. Yo allé de manière impunie, yo allé en toute impunité, en imparfait, yo pas sanctionné. Yo pas sanctionné parce que nous pas gagné aucun cadre. Nous pas établi aucun cadre avec Nations Unies là t'a débarqué pour dire si soldat vini, li fait tel bagaille mais qui ça qui réservé pour lui. S'il fait tel bagaille mais qui ça qui réservé pour lui. Nous seulement accepté, OK 2004 t'es gain problème, t'es gain comment on te relé à l'époque et rat pas caca que Aristide décrée etc. Donc nous t'es tellement fatigué le blanc vini, nous pensons que toute bagaille t'a pas résoudre. Et après le ministre a finalé 2017, nous pral réaliser que pas de rien qui te cherché situation vin pire. L'autre considération pour nous faire sur approche colonel Himmler et Buon, est-ce que c'est le fait journée jodi 2004 2023 tout temps ça après? Oui, en termes de puissance de feu, bandi yo vin gagne plus d'âme, bandi yo vin pi évolué, bandi yo gagne gros âme 20 fois dans mais yo. Est-ce que c'est à partir de ça qu'on y a li fait approche que gagne pile soldat Kenya qui va le mourir? Est-ce que c'est sous ça? Mais gros bagay ou doit comprendre. Zam yo, yo pa an ki soti nan ciel yo tombe Haïti. Zam Kenya, zam Izoti la pli la mo san jou vite l'homme je peuple Genève gen nan meyo zam sa yo pa sorti nan ciel yo tombe zam sa yo c'est pas un pied coco et calé yo zam sa c'est pas un pied citron qui produit yo etc. c'est pas un poule qui pon yo c'est pas un coq qui baille pour l'an etc. ou comprenn zam sa yo bon côté yo sorti zam sa yo sorti non point A pour yo atterrir en Haïti. Maintenant c'est quelle disposition qui pral prend? C'est qui disposition qui pral prend au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies? Qui disposition qui pral prend de manière bilatérale entre Haïti avec États-Unis pour résoudre question trafic d'armes, trafic munitions? C'est le problème là. États-Unis, li konnen parfaitement bien qui quantité d'armes, qui qualité d'armes, qui nature d'armes, qui calibre d'armes qui en Haïti. Mais si parce que là faut moi dit nous haïtiens à la on bade là yo avait 15 août dans un premier temps parce que faut quoi c'est sécurité des Nations Unies réuni yo avait 19 août non l'autre temps parce que guinyen un comité là qui pral débarquer cap sorti dans pays Kenya pour venir faire évaluation situation pays. Donc par rapport avec situation ça si pas gagne des dispositions qui prend en amont depuis en l'air pour contrôler, pour régulariser, pour gérer question trafic d'armes, trafic munitions, Kenya met ta vini jodi ya, li ale demain. États-Unis met ta voye, Nations Unies met ta voye, CARICOM met ta voye, SELECTA met pour disposition, on n'y pas changer en Haïti. On n'y pas changer en Haïti. Ou kabouke la, ale nan village, ou touye iso, ou touye tilapli, ou touye vite l'homme, ou touye x, y, z. Qui ça sa s'ap change? Si nous pas gérer question trafic d'armes, si nous pas gérer moun qui créer bandi sa pas créer pour quoi yo? Nous admettre nous conscient que question vite l'homme nan c'est pays lok qui créé. Mais derrière question pays lok là, gon groupe opposant Jovenel Moïse, qui disposition qui prend compte moun sa yo jeune jodi an? Qui enquête qui ouvre compte moun sa yo? Rien. Rien. Au contraire, yon nan pouvoir. M'ap gade et l'André Michel te al rend visite avec et proche Liane Pierre-Paul nan Radio Kiskeya. C'est pas n'importe qui président. C'est pas n'importe autorité alors que André Michel sous citoyen lambda lié.
Je ne comprends si André Michel, de manière officielle, il a gagné un poste, il a occupé un statut dans le gouvernement. André Michel, son citoyen lambda. Ou pas de policier qui pouvait la sécurité, ou pas de policier qui pouvait y entrer la caillou, qui pouvait faire point fixe dans la zone la caillou, et puis André Michel a lui-même seul. Li gon la mede el kap bal sécurité, li gen machine blende, li gen cortège, ki sa André Michel li nan peyi ya. Donc vrai problème yo, vrai question yo, faut nous poser pour nous chercher réponse. Parce que pas gen aucune force multinationale, pas gen aucun pays étranger, pas gen aucun soldat Nations Unies qui pral vin là, qui pral vin résoudre problème ou pour comme par magie, alors que ou même dans la caillou, en dans la caillou institution yo fin craser, en dans la caillou la justice a terre plate, en dans la caillou juge yo corrompu, en dans la caillou commissaire gouvernement c'est machin pays yo, c'est machin justice yo, pas grand qui pral résoudre. Pas rien qui ka résoudre sans que institution démocratique yo pas mette kopi, sans que la justice pas fonctionner. Donc ça yo yo évident. Maintenant que l'autre bagay nou ka considérer toujours. En diplomatie yo dou et pas de grand pays, pas de petit pays. Tout pays c'est pays, tout pays gen même valeur de point de vue et de point de vue décisionnel parce que en dedans Conseil de sécurité Nations Unies ou bien dans Nations Unies si gon décision k'ap pran, si gon vote qui pou fèt là, on comprend? Tout pays qui siège ou gen droit pour voter. Tout pays qui siège ou gen droit pour prendre décision. Un pays qui décide de voter non, un pays tant que Haïti par exemple, qui c'est derrière là pour pas qu'être l'autre pays, États-Unis, Canada, pays Congo, puis pays voisin de la République Dominicaine, s'il décide non assemblée le voter non, non le voter en ligue un poids dans balance. Donc là nous comprenons de point de vue décisionnel, pas question petit pays, gros pays, tout pays qui doit le voter, yo veut dire en bagaille yo gagne un poids dans balance. Maintenant nous venons considérer question petit pays, gros pays, c'est d'un point de vue de l'autodétermination. Principe qui dit que chaque pays grand moun tête, chaque pays grand moun la kayo, yo doit ka décider de par yo même qui ça ka bon pour yo, qui ça pas bon pour yo, qui ça doit faire, qui ça pas doit faire. Mais si n'a regardé réalité, depuis qu'il est Haïti grand moun la kayo, depuis qu'il est haïtien grand moun tête yo. Depuis qu'il est décision qui a prend yo, c'est haïtien qui prend, c'est dirigeant haïtien yo qui prend yo véritablement dans intérêt pays. Oui, décision c'est dirigeant haïtien qui prend yo, mais dans intérêt qui est yo prend yo. Dans intérêt qui est yo prend yo. Gagné ancien premier ministre Jout Joseph. Jout comme ancien premier ministre qui fait l'objet de différents scandales, eh bien lui-même li bay opinion, li réagit sous question force multinationale. Est-ce que selon vous-même yon ancien premier ministre, yon moun qui te gagné renn pays nan mel, yon moun qui te président CSPN, qui te chef CSPN, qui te ge possibilité pour décider sous sécurité pays, qui te ge décision, qui te en place pour te prendre des décisions, est-ce que y a quitté telle fois et gang grandi, est-ce que y a quitté telle fois et gang grandi, est-ce que y a démantelé, est-ce que y a fait des armements? Je ne j'en dis pas, qui décision, qui opinion, qui sont pensés de déclaration ancien premier ministre Jout Joseph dans ça qui est pour avec force multinationale que pays Kenya proposé d'être lui pour le diriger. Bral qui t'entende déclaration Jout là m'a retourner après pour bailler opinion en nous garder ensemble. Bon, m'ka dou son lecture me fait c'est même l'on fait. C'est catastrophique et puis nous tous pour mettre nos mains ensemble pour travailler pour améliorer les conditions de vie. Combien sont par rapport à ça?
Compréhension? Oui, par rapport à ça. Oui. Ben écoutez, moi nous connaissons déjà que moi c'est un ancien fonctionnaire des Nations Unies. Moi qu'on a le travail tout dans l'autre pays, moi j'ai travaillé au Kenya. T'es déjà. Donc moi prends tant que c'est frère qui a venu des frères qui dans situation difficile. Parce que faut que nous pas ouel tant que son occupation. Parce que Haïti c'est membre des Nations Unies. Et l'homme membre des Nations Unies gagne une série de privilèges que ça ba ou. Gen pays pas membre des Nations Unies. Bon, quoi c'est 196 jours et qu'on y a, même quoi il y a l'autre qui pas membre li, mais qui pas qu'à bénéficier de privilèges. Ça. Vous pensez ça par rapport au résultat par rapport à le niveau de sécurité que le pays a posé, surtout avec la contextualisation, risque de droit, etc. Bon, qui t'aime dire nous bagaille? La police nationale là, elle est assez solide pour le faire travailler ça. Mais tout, faut nous connaître que la police nationale là, c'est un temps population en sortie. Et la population, n'a pas gardé son population qui. Comment t'as dit ça? Et PM Evans Paul aime utiliser le mot en dégaba. Ok, population en dégaba, police là, elle est à l'image du pays. Elle dit, police là, elle a besoin de support, police là, elle est fatiguée tout. Ok, même pour football, parce que moi j'aime le football. Football après 90 minutes, là il y a une prolongation. Les joueurs sont extrêmement fatigués, il faut nous comprendre ça. Et la police nationale là, non seulement elle est compétente, mais elle a une volonté pour travailler. Mais tout, elle est fatiguée et elle a un pile matériel tout qu'elle a besoin. Je pense que ça, c'est à un souffle nouveau, c'est à un sang nouveau. Que yon force multinationale capote pour pays. Nous comprenons approche. Comment ça fonctionne? Monsieur, nous comprenons. Premier bagage là, c'est entrer dans le quartier que nous relais quartier de nos doyaux. L'État absent. Ok? Moi-même, je travaille sur un document avec CNDDR pour l'État présent dans le quartier ça, pour tes services à la population. Et puis là, ça a bandi pour compte. Il y a tombé. Question élection, bon, je ne peux pas répondre ça parce que moi connais le Premier ministre, il a parlé de ça plusieurs fois déjà. Et je m'en tiens qu'à ça. Il dit qu'il a travaillé pour faire élection. Moi, je souhaitais que l'élection soit faite le plus vite possible pour nous remettre le personnel politique là sous pied. Au-delà de l'approche sur question et proposition kenyane, comment c'est le Premier ministre? Est-ce que quelque part, vous avez une satisfaction de travailler quelque part? Parce qu'à chaque fois, nous toujours en situation, peut-être nous avons besoin de support pour nous sortir de la situation. Bon, nous sommes déjà que société a l'image là. Si on est intervenu, ils viennent de nous. Année ça, parce qu'ils sont fatigués avec nous. Nous avons longtemps à demander ça, mais ils sont fatigués avec nous. Il faut que nous travaillions pour réhabiliter chaque monde dans la place pour tous les pays à souraille démocratique, Jean Lidoué. Kenya a plein de problèmes. Il faut nous comprendre. Moi-même, je dis nous ça, nous connaissons dire la vérité. Kenya a plein de problèmes. Mais il y a des institutions qui fonctionnent. Nous-mêmes, non seulement nous avons des problèmes, mais les institutions nous sont à genoux. Justement, il y a des politiques par rapport à ce pays Kenya qui a des problèmes et que par exemple, il y a un peu plus de faire espérer autre chose que tu n'as pas trouvé dans la pluie que ça peut trouver dans le pays. Quittez au Vini avant. Je ne vais pas faire pronostic. Je vais faire pronostic dans le football. Mais quittez au Vini parce que décision est libre déjà. Et je te dis déjà que le citoyen Joseph Jout, pas d'accord ça, mais mon premier ministre a décidé, c'est fini. Ça veut dire là maintenant, j'attends que toutes les démarches aient abouti et puis pour cette population à ralon souffle. Est-ce que selon vous-même, uniquement une force multinationale capable de résoudre le problème qui vient sur le territoire? Négatif. Négatif. Il y a des gens qui supportent la police nationale, l'agent. Ils supposent supporter, continuer par tout matériel et équipement besoin pour le travail. Il faut que le ministère des Affaires sociales, le ministère des Travaux publics, avec tout l'autre ministère, je ne vais pas dire le gouvernement, rentrer en dans quartier ça yo al bay population en service ramasser pile fatra mwek dans la rue mettre moun yo au travail et puis insécurité à la baisser pour compte si gagne un peuple vrai cap sorti dans pays Kenya qui veut venir de nous résoudre problème sécurité dans pays nous connaît on parle de Kenya on parle de l'Afrique. L'on parle de l'Afrique, on parle de racines, nous-mêmes, peuple haïtien.
Mais en même temps, son honte pour nous mettre tête nous dans la situation, pour c'est l'autre pays qui a venu de nous mettre l'autre de la caille. Parce que la crise haïtienne, c'est pour nous gagner entre Haïti et un autre pays. C'est Haïtien qui a maltraité Haïtien. C'est Haïtien qui a déstabilisé Haïti. Et c'est là où on te la chita. Gon prise de conscience pour nous faire. Pour nous poser tête nos questions, quelle que soit position, quel que soit côté de campé. Pour nous demander pour qui ça nous oblige à comporter nos façons. Pour nous obliger que les troupes Nations Unies entrent dans le pays. Pour nous obliger que les troupes américaines qui entrent en trois fois en un siècle. Pour qu'on ait un obligé à demander pour l'autre pays, donc au Kenya, et la trier, venez de nous mettre l'ordre de la caille. Moi-même, je comprends et me dis merci pour volonté de solidarité, ça, mais en même temps, très honte, très gêné, et ma place, on appelle patriotique, à la jeunesse en particulier, pour nous reprendre dignité pays en main, pour nous suspendre, comporter nous en manière qui mettait dans la situation. Ça, c'est ça que je suis capable de dire. Pendant ma profité d'occasion, nous avons moyen pour me rendre hommage à Zami, moi, à consoeur, moi, Liliane Pierre-Paul, qui consacrait 44 ans dans le métier journaliste là. Moi, fait connaissance lui en 1979. Il était très jeune. Il a engagé dans la bataille. Là, il y a très peu de jeunes femmes qui étaient engagées dans la bataille. Ça. Nous ne connaissons pas Kouli. Il prend prison, il prend exil et il consacre 44 années dans la ville. A fait ça seulement, métier journaliste là, dans un pays difficile. Moi, je crois que c'était l'occasion pour nous rendre un hommage, et un hommage mérité. En même temps, tout, m'a salué mémoire Jean-Jacques Honorat, qui était premier ministre pays, qui était un initiateur de la bataille des droits de l'homme. M'a salué tout, l'amour, Jocelyne Grandpierre, qui c'est madame Renaud Grandpierre, docteur Renaud Grandpierre, un gros cadre pays, qui n'a même kidnappé, et que madame n'est pas qu'à résister, elle mourit pendant jusqu'à présent, elle continue à kidnapper. M'a salué tout l'autre monde qui a souffert dans un problème kidnapping, non? En particulier Marie-Louise Simonhomme, qui n'est pas Marie-Louise, Pierre-Louis Opon, qui est un gros serviteur pays, qui gagnait plus qu'un mois, presque un mois et demi, depuis qu'il a kidnappé. Je pense que son situation difficile, son situation anormale, son situation insupportable, et qu'on est fort pour faire au-delà de tout ça qui a divisé le monde, pour mettre l'ordre dans le pays. Pour question kidnapping non fini, pour question violence non fini, et pour question misère à tout nous adresser, pour gagner moins de précarité dans le pays d'Haïti. Son situation difficile, insupportable, est-ce que, dans le contexte, ça, on a dit que les propositions kenyanes sont effectives, et qu'ils ont une perspective de résultat aussi? Je dis non, bagaille. Nous comportons tête non façon côté Haïti, ville presque un pays infréquentable. Il faut faire très attention pour ne pas arriver dans la situation Somalie. Il y a tellement bouqué avec Somalie, il n'y a pas parlé de Somalie encore. Mais ça ne veut pas dire problème Somalie à résoudre. En Haïti, les États-Unis ne veulent pas prendre tête aucune force dans le pays d'Haïti. Parce qu'en trois siècles, il est débarqué trois fois, ça pas marche. Le Canada fait folle par l'empile, il prend sanction, mais il ne veut pas prendre tête là tout. C'est dans marché, chercher, il finalement joint le Kenya. C'est pour nous comprendre dans quelle situation Haïti est, je dis. C'est presque l'image d'un pays infréquentable. C'est dans ça nous y est. Et moi, je dis ça avec un peu de souffrance. Moi, je dis ça pour motiver l'autre monde. Pour nous connaître la situation du pays d'Haïti, pas qu'aucune troupe étrangère qui a résolu. Pas dit tout, pas venu. Parce que c'est une situation de désespoir, d'insécurité qui a besoin de concours pour mettre l'autre dans des autres. Pour neutraliser les gens qui ont fait des autres, qui ont fait kidnapping, qui ont tout les gens. Mais en même temps, le problème, non, c'est Haïtien qui résout. Fondamentalement, durablement, c'est Haïtien qui résout. Même si temporairement, nous avons aide, amis,
quel que soit côté ressorti. Pour un petit moment, tout petit, puisque nous vivons l'expérience là déjà. De 1992 jusqu'en 2016, bon latrier de missions de troupes qui passaient en Haïti. Nous avons compté auprès d'une vingtaine, mission civile, mission ceci, jusqu'à ministère. Ça n'a pas porté solution. Parce que fondamentalement, ça n'a pas réglé. Il a réglé un problème d'instabilité politique. Mais stabilité politique, l'imba connaît avec un autre concept fondamental qui est la souveraineté nationale. Automatiquement, une famille, yon papa, ou nan l'obè ak madame, ou nan bat petit, ou fè violence sou yo, c'est voisinage kap vini de ou perdu droit citoyen. Haïti presque perdu, ça te gen comme notoriété, comme fierté nationale. Mwen lance ça, c'est pour dignité nous. Sont-ils blessés? Et pour une fort effort pour nous connaître, c'est pas problème en groupe monde, c'est problème nous tous qui gain conscience faut rétablir l'ordre dans pays là pour suspendre mandat étranger venir aider. Mes amis, oh, à la côté nèg yo rancé. À la côté nèg yo rancé. Konya, jou ta kite ça pour un simple citoyen, li ta kite ça pour un haïtien lambda, mais toi en tant qu'ancien premier ministre, chef CSPN, je ne dis à la ba kwè se jout ki pou ta vin kanpe pou li di li d'accord ou bien li favorable à ce que bon force multinationale qui débarque en Haïti. Non. Bagay sa a fè honte. Non. Question pou tan dote ancien premier ministre. Question pou tan dote dirijan te leader de dan peyi an, ou te nan l'état, ou ta pran des décisions. Ou pas te régler en merde ou pas te faire et puis je dis à pour venir camper ou venir faire figou dit pour venir dire ou d'accord pour blanc rentrer dans le pays. Non, il pas fait sens. Il pas fait sens parce que ou te gagné pouvoir de décision non mais ou te gagné possibilité pour ratiboiser gang dans le pays. Nous pas te faire, nous préférer voler l'argent qui était là pour acheter équipement, pour acheter matériel, nous gagoter, nous gaspiller l'argent et puis journée jodi on c'est nous même qui venir camper. Joune jodi an, c'est nous-mêmes qui dit nous favorable. C'est ça que fait nous Haïti en son pays spécial lié. Peuple haïtien, on pas jamais ka fin comprendre Haïti parce que nous trois libéral avec vagabond ça. Nous trois libéral avec un groupe nèg qui passe dans tête l'état, qui gagote l'argent, qui pas régler rien, question à poser. Puisque nèg sa yo te nan pouvoir yo pa jam fè rien, est-ce que yo pa allié à gang yo? Est-ce que yo pa complaisant dans sa k ap passe jounen jodi an la? Est-ce que yo pa gen droit sou trampé nan insécurité nan vie jounen jodi an la? C'est question ça pou poser tout. Et d'ailleurs mes amis, d'ailleurs de grâce PM Jout, de grâce PM Jout comme ancien premier ministre. C'est une nèg qui te gen pi bonne relation avec gang. D'ailleurs PM nan te dit, Jout te dit à haute voix de dil, li même li kon parler avec bandi yo kon rele chef gang yo kon rele nan téléphone, li parler avec yo tant koul parler avec tout moun. C'est li te dil l'el de premier ministre. Et non laisser frapper ki gen avec jout avec ancien ministre justice li, Maître Luc Mandelil, chaque occasion li genye pou parler de pays, pou parler en tant que ancien ministre justice toujours dou. Li toujours dit que ancien PM, ancien supérieur hiérarchique Jout Joseph t'es toujours gen bonne relation avec gang, t'es toujours gen bon relation avec bandi, Jout avec bandi, c'était cocotte avec Figaro. C'est pas moi dit gen enregistrement, yo gen vidéo, monsieur j'aime te prendre Luc Mandelil dans l'émission, il t'a parlé de tout problème pays, de tout bagaille ça yo. Donc n'a pas de mettre avec moi. En pile malandrin qui passe dans tête l'État, dans tête pays comme premier ministre, comme secrétaire d'État, même comme président, yon contribue à mettre Haïti côté là. C'est pas moun sa yo qui te gagne des postes de responsabilité dans mais yo. C'est pas yon jouni jodi pour avoir fait masturbation dans tête peuple. C'est pas yon même qui pour avoir bené, nous avoir prendre figi, nous passer salami là-dedans. C'est pas yon même. C'est pas yon même. Et pour yon quitter,
pour on est qui dans opposition politique parce que nous connaît opposition politique ancien opposition sous Jovenel Moïse nèg sa yo blo ferré nèg sa yo nous connaît qui sa yo yé déjà donc si André Michel vinn dans le bon moment tout déjà connaît avant même li ouvri bouche son menti li pral bay mais question pourtant des séries de nèg qui té dans l'état qui té gen l'argent l'état nan men yo qui té gen machine l'état en bas derrière yo qui té gen kayo rete c'est l'argent contribuable yo k'ap paye l. Yo pa paye rien avec un goud nan poche. Fin vole l'argent serré dans pays blanc journée jodi an c'est nèg sa yo qui pou vinn camper cap dou oui fòk blan vini pou vinn rétablir sécurité pou vinn bay PNH an compte mais qui sorte vous nèg sa yo si haïtien te konnen pou ay nan balance yo pa jam dwe kite nèg sa yo pran la rue pou al parler nan figi moun pou vinn déblatérer vinn di n'importe tintin nan figi moun et c'est pas seulement jout qui parle. Gen plusieurs autres acteurs politiques qui parlaient, gen ancien premier ministre et Claude Joseph qui t'ai fait et yon tweet côté que li même li estimé que pays Kenya tellement gen problème là kay li Kenya pa ka vini en Haïti si yon pa ka gérer force de police là kay yo comment yon pral faire gérer force de police en Haïti li t'ai proposition sur ça mais est-ce que nous ka seulement faire des considérations sous instabilité qui gen au Kenya. Alors que ces mêmes dirigeants ça au cap dit faut que nous prend faut que nous prend recul nous faut que nous prend liberté nous en bas griffe occident en bas griffe États-Unis Canada définitivement c'est mandé pour demander qui ça veut qui ça veut yo pas veut coopération avec Afrique yo pas veut coopération sud-sud tout le monde attend pour ces États-Unis qui t'a débarqué pour ces Canada qui t'a débarqué après y a douce occupation Kenya décide yo dou Kenya pa bo etc. Mais c'est qui ça nous voulons? Par rapport avec situation ça, c'est qui ça nous voulons pour Haïti? Gon l'autre point qui est extrêmement important faut on fait la avec nous. Dans moment là, qui ça nous constate? Majorité pays en Afrique a souke koy. Majorité pays en Afrique yo ou ap gade là, c'est coupé ap coupé fâché avec Occident. La France qui te gen en prise sous majorité pays en Afrique dans moment là c'est ou regarder c'est coup d'état gabay coup d'état militaire yo chavire bagay la yo dou yo pa nan da yo pa nan bagay pour pays occident pour États-Unis Canada la France principalement pour venir mettre pied sous cou yo pour venir tout venir exploiter yo y a coupé fâché souvle pour nous gien relation n'a gien coopération mais question pour venir prendre prise pour venir soucer maman Elbef la bagaille bagaille comme ça mais nous même pas bon la caille nous genou pété oreille nous reprendre oreille nous boucher nous pas ouais nous pas attendre ba nous occident nous pas ouais nous pas attendre ba nous corps groupe nous pas ouais nous pas attendre ba nous binu ba nous États-Unis et puis après kou la fin foure douet nan genou yo pété genou n'a vinn crier n'a crier nan tout radio ceci c'est là-bas quoi quoi dek journée jodi un moment arrivé en tant qu'haïtien pour nous assumer responsabilité nous pour nous assumer responsabilité nous pour nous prendre destin nous en main peuple en Afrique là c'est destin on choisit prendre en main pendant semaine qui sont passé à la gen discours Ibrahim Traoré te fait à président Burkina Faso a. Li viral. M'a regardé moi tellement recevoir vidéo ça discours ça. En pile haïtien partager parce que yo regardé un nèg qui parler, reprendre qui camper, qui a regardé blanc danger, qui a regardé la Russie danger, qui dit mais qui ça voulait pour payer etc. Nous t'es fier, mais pour qui ça pas ka gagner des dirigeants comme ça en Haïti. Pour qui ça c'est moun qui pi pas bon, c'est pour li n'a pour comprendre c'est pour li n'a bataille, c'est d'elle n'a marché etc. En Haïti, c'est le culte de la personnalité, son nèg noué. Mais qui est-ce qui sauve ya? C'est SDP, c'est André Michel qui sauve ya. Et ça te fait nous quoi sous Jovenel Moïse? Jovenel pas capable, li pi capable, yo c'est si, yo c'est là. Mais côté ou la ge pays ya. Mais côté ou la ge pays ya. Au Niger, ge coup d'état qui baille. États-Unis fâché, la France fâché, Canada fâché, États-Unis décide au libéral couper aide. Président fait comprendre couper aide ou la caillou gen sans abri bon la caillou plein immigré ba yo aide la ba yo manger ba yo céréales nous même n'a décidé chercher l'autre pays pour nous coopérer parce que nous décidé prendre destin nous en main nous décidé grand monde la caillou gen moun ki pral dire que coup d'état ça yo soulèvement ça yo te fait déjà en Afrique dans les années 70
et après yo vinn retourner à la normale, yo vinn retourner dans et coopération bien dans comprendre dans exploitation avec pays occident yo, avec même la France, même États-Unis etc. Bah elle a te vinn retourner à la normale. Et bien jeune jodi yo, c'est on l'autre génération en Afrique, c'est on paquet jeune di moun, c'est on paquet jeune moun etc. qui montre yo bon vision pour pays yo, qui montre que malgré yo chita avec exploiteur, malgré yo chita avec blanza, malgré yo chita avec l'occident, yo pas changé discours, yo pas changé l'idée. Vous comprenez? Donc je ne veux dire, est-ce que haïtien, est-ce que Haïti doit prendre exemple sur ça qui a passé en Afrique là, sous soulèvement qui gagne en Afrique là pour résoudre le problème là caillou, pour régler problème là caillou? C'est possible. C'est possible parce que nous même en Haïti, je ne veux dire, dirigeants nous, yo pas comme ça voulez, et même jeunes ça, on pas qu'être mon nom qui est le tête politicien, jeune politicien qui soutient dans là, sont pas qu'être conseillé. Pas être causé et moi même des exemples clairs devant des séries de nèg qui dans un premier temps yo pas ta Jovenel, après yo vini yo joine ti bagay dans même Jovenel, yo entre en bas de Jovenel malgré yo tande Ariel ta participé dans tout Jovenel, yo entre en bas dans un premier temps yo pas avec Ariel, yo t'ai relé Ariel assassin. Et puis kouyo wè Ariel rete sous pouvoir, yo pa chavir Ariel. Et puis entre en bas avant Ariel, jounen jodi a ap sous ses zones en Ariel. Donc monsieur ça yo papa mette chapeau bas devant yo et parce que bagay yo anti-jan compliqué. Avant nous terminer, gen président dominicain Luis Abinader. Abinader li fon déclaration. Eh bien, pile moun ki te rete kwè que République Dominicaine, pays voisin nou, yo ka participe nan force multinationale la, mais président Luis Abinader li déclaré que République Dominicaine pa participe nan force multinationale la et li pa voye soldat en Haïti. Abinader conseille gang yo pour yo penser à deux fois, réfléchir à deux fois, pa vin la kayli parce que li même li pa accepte yo, li pa tolere yo. Parce que ça pral rien là, ça pral arriver en Haïti là, leur force multinationale là débarquer, ça pral passer à gang yo, c'est du jamais vu. Donc pour président Luis Abinader, pour président dominicain, hein, et bah yo pral changer ligne, yo pral bouger les forces multinationales là bien pour arriver. Ça veut dire là et dans liste pays cap gagner pour voyer soldat en Haïti yo, nous mettre retirer espoir nous. Si gen politicien qui t'est quel, qui t'est qui t'a prié pour ça fait bien République Dominicaine pa plada. Là fait tout. Et jusqu'à 15 août cap gen pour venir là, nous nous incertitude parce que faut dossier entrer au dans Conseil de sécurité des Nations Unies pour décider sur lui. Donc toute parole en pilou dans des cap fait là, toute parole ça dans des cap parler là, c'est dans l'éventualité. Reprendre pour grand rien que décider. Mais faut moins profiter ba nous liste quelques pays qui étaient répondre positivement, qui étaient levé de wet jour en l'air magioyé yo pas capable yo dans toute sauce qui yo même a fait partie de force multinationale. À part de Kenya qui décide de prendre tête force multinationale là, qui décide de prendre leadership et force, et bien gen Bahamas qui lui-même qui décide qui et qui répondent pour le voyer 150 et soldats. Et nous gagne pays Jamaïque qui répond favorablement, qui dit la plat, mais yon pas dit qui quantité et soldats, qui quantité policiers yon a voyé, yon seulement dit yon a plat, yon a participé pour aider Haïti. Mais ça qui prend l'étonnement, eh bien, c'est Antigua avec Barbade qui yon même yon décidé de Ilza, yon tande oui, de Ilwi. Yo décidé, yo a voyé soldat, yo a voyé et soit militaire, soit policier pour faire partie de force multinationale là qui a gagné pour prendre tête, qui a gagné pour venir aider Haïti. Donc les bagages qui plus bizarre c'est que on va regarder Haïti qui sont pays qui ont gros histoire, belle histoire, nous fait 1804, nous fait bataille de Vertières. Et puis, on va regarder dans qui état nous tomber, on va regarder ces bol blessés, puis nous na plonger ba international là pour regarder qui ti miette, qui ti bagaille yo ka mete la dedans pour nous. Et ces bagaille nous pas jamais espérer, mais c'est politiciens nous yo, c'est acteurs politiques nous yo, c'est mauvais choix dirigeants yo qui mettent nous là. Et je ne jodi an là, c'est révoltant
pour m'ap gade André Michel qui marche sous monde avec paquet de sécurité, pour m'ap gade Majori Michel qui fin krason pays dans l'état ça qui marche avec un paquet de sécurité derrière yo, pour nous gade un paquet l'autre allié de monde suif plus Bozil, Rosemont, Poadel et tout nèg sa yo, monsieur dame sa yo qui frappe l'estomac yo sous Jovenel Moïse, yo t'a fait yo t'a défait et pourtant journée jodi a qui mette pays dans l'état ça, et bien nous pas jamais bayon en réponse qui proportionnel par rapport avec ça yo fait nous passer, par rapport avec ça yo fait pays et passer. Et on va quitter nous avec yon l'autre acteur qui lui-même qui estime que et force multinationale qui vient pour débarquer de la République de Mopal pour dire, et bien René Civil li pral font ti parler avec nous favorable ou défavorable avec déploiement force multinationale en Haïti. Nous pral konnen position René Civil dans dossier ça. Rendez-vous li kase demain sous même chaîne dans même l'heure pour l'autre émission mon éditorial avec Yannick. On nous écoute ensemble René Civil. Convaincu qui marchait dans le rêve de Saline. Moi, j'ai vécu plusieurs cauchemars déjà. Les blancs américains débarquent en 1994. Les Nations Unies débarquent. Ça a été comme des cauchemars au moins parce qu'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas d'acceptation, il n'y a pas de faire bien et il n'y a pas de faire pays à bien. Et si nous avons un niveau ça, c'est présence de ça qui mette nous. Et ça n'a vive jour et jour, c'est la communauté internationale. En particulier, les États-Unis, le Canada, la France, pour ne pas dire les Nations Unies. C'est eux-mêmes qui mettent une mine devant nous. Et ils ont servi avec agents nous gagner ce territoire-là. Citoyens qui violent le principe des nations. De l'autodétermination hein, qui travaille pour eux, qui mettait instabilité sans pareil ça, qui montait mire en sécurité sans pareil ça, pour humilier nous comme peuple, pour détruire nous comme nation et pour rendre nous dysfonctionnels et permettre nous de rester à la merci de eux-mêmes. Puis nous diriger, nous faire ça, vous voulez avec. Ça, au monde qui a dit, je veux dire, sur Haïti. Parce qu'ils ont créé conditions pour les gens qui ont fait manger pour manger parce qu'ils ont fait tout le monde grandir, ils ont crasé toute production nationale. Ils ont crasé toute institution, dont la police nationale et l'armée d'Haïti. Ils ont crasé mémoire citoyens. Ils ont piétiné mémoire ancêtre. Je dis, ils ont créé une condition d'insécurité à outrance. Nous n'avons pas de personne d'institution qui a corrigé. Et si vous campez devant les Haïtiens, vous dites à Poutine, ou pas d'accord. Vous force venir de là, la considérez comme, en partie, mais pas tout le monde. Ou traite, ou pas qu'à faire rien. Mais moi-même, je demande tout Haïtien, tout jeune, Haïti quoi à l'étranger. Diaspora haïtienne, la jeunesse diaspora haïtienne, pour servir des moments à vivre très difficiles, ça, pour réfléchir. Et bataille pour comment pour nous changer Haïti. De mettre côté ou à vivre dans le monde là, de pousser Haïtien. Ça, il n'est pas capable de toucher ou il n'est pas capable de viser. Qui donc, nous-mêmes dans l'émergence, nous sommes plus d'accord pour que Haïtien nous gagne, pour servir notre pays, dans l'armée, pour demander au service, pour aider nos pays, pays mère. Ancêtres, citoyens et sécurité. Ils vont attendre nous. Demandez Haïtiens nous gagnent l'armée Canada, l'armée française, l'armée américaine. Ils te capable nous comme Haïtiens. Ils vont défendre le territoire là, même si ils te contre l'autre drapeau sous deux, ils t'ont un drapeau haïtien sous deux. Ils t'ont senti plus ou moins acceptable. Mais ils vont attendre nous. Ils préfèrent mener nous là. Mandat haïtien, ils réfléchir, penser en pile. Parce que nous n'avons pas quitté la souveraineté, nous traînons dans la vie. Il faut qu'on les prive pour prendre responsabilité. Vous demandez, René Civil, pour les Haïtiens qui sont dans l'Amérique Canada et américaine pour venir dans le pays en coup de main. Pendant que nous avons l'armée d'Haïti,
que international là pas bal l'ordre pour intervenir dans ça qui passe dans pays. Est-ce que comment comprendre que haïtien qui dans l'armée canadienne et américaine yo t'a accepté ou vinn bay coupe dans ça qui passe dans pays. On comprend ça ca possible? Quelle des raisons? Les États-Unis craser la mer parce qu'elle défait la mer fait pour l'état 91. La mer a dénoncé, il vient en craser. Et me dit ça pour l'histoire, parce que Jean-Baptiste Aristide, c'était mon premier décret, il était quitté 1500 hommes dans la mer. L'ambassade américaine intervenue, il dit, retirez le décret ça net, voyez 1500 hommes dans la police. Et ça fait, ouais, il y a un militaire qui est entré dans la police. Là, États-Unis crasent la mer, parce qu'il défait le fond mauvais coup. Il dénonce, mais en plus, parce que les États-Unis, Saint-Domingue travaille pour eux, et chaque jour, Saint-Domingue a piétiné droit nous, entrer sous frontière, prendre nous, et faire nos sacs mal, nous pensons n'importe où de carrière. Sous demande, Saint-Domingue, nous craser la mer. Malgré gain, force qu'on a fait pour faire la vie d'Haïti, Américains pas venus nous gagner, pas venus nous gagner moyen, et pas venus mettre en valeur, ni en valeur. Faut qu'on ait réfléchi ça, nous même dans l'émergence, nous pouvons aller en Haïti. Je l'ai mis professionnel, patriotique, qui défend les droits. Pour finir, mais qui donc, les nous demander pour vous voyez, frère Axel, nous qui dans la Mélacaille, prêtez nous pour nous agir, c'est parce que nous connaissons sous contrôle. C'est eux qui créent ça en Haïti, et ils veulent, c'est eux qui contrôlent, ils veulent, c'est eux qui contrôlent, plus ou moins, tu as bien moins de dégâts. Si c'était haïtien qui est venu, il a protégé nos plus que si étranger. Et ça fait demander, jeunesse pays, citoyens haïtiens, partout côté où dans la diaspora, pour réfléchir, pour comment reprendre la souveraineté nationale en main et qui pour maler ça, pour nous finir avec une femme. Pour finir, pendant 2 ans, quelques jours, le Premier ministre Ariel Henry se pouvoir, si René Civil, qui se dirigeant Émergence Patriotique, tabay on moyen ou bien note ki moyen ou tabay Ariel Henry par rapport à bilan. Écoutez, pays a pas gen bilan depuis des années. Tout est gen bilan faut que on commence pas. Pas oublier après Brival nous prend Matéli. Sous le gouvernement Matéli pas de bilan. Jovenel Vini c'est catastrophe. Eh bien, c'est la continuité de Jovenel Ariel Henry. Ce sont les magistrats, les délégués départementaux, les directeurs généraux, en partie, sous Jovenel qui a dirigé le pays jusqu'à là. Si pas de gagner bilan. Pas de gagner bilan aujourd'hui. Et encore plus, sous le premier ministre Ariel, situation en ville plus dangereuse, plus machiavélique. Et je crois même le premier ministre Ariel l'a posé cette question, que faire? Parce que nous sommes dans une situation de complot international. Et moi-même dis, nous avons qualifié des méchants haïtiens qui servent étrangers. Nous avons qualifié des méchants Ariel qui servent étrangers. Mais les vrais acteurs, les vrais dangers, les vrais complotaires, les vrais anti-haïtiens, c'est le monde qui est situé là, dans la communauté internationale qui travaille pour des solutions. Qui est-ce? Nous, les États-Unis, nous, la France et le Canada, nous, la République dominicaine. Avec tant d'autres, mêlés avec apatrides nous gagnons en Haïti, qui soient politiciens, qui soient dans la société civile, qui dans le secteur privé. Ou pas pour vous faire un visa? Je n'ai pas de visa américain. Je suis allé renouveler le lit, pas de moi, parce que j'ai une condition qui n'est pas acceptée. Et puis depuis là, je n'ai pas de visa. Je n'ai pas de folie, je n'ai pas de travail pour vous. Je travaille pour Haïti, je m'aime Haïti, je vis Haïti, je fais tout à Haïti dans notre pays. Aller aux États-Unis, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas un paradis, c'est une zone plus difficile à vivre, et si qui sont toujours sous menace, qui donc, pas aller aux États-Unis, ça va faire ni chaud ni froid, parce que je m'aime. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial.
Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, que chez Chanel par là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras la balle et pays, nous bras le faire débat.